J'ai cassé. Oh là là, qu'est-ce que j'ai cassé? Attends, j'ai cassé un truc là. Yo tout le monde, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et pourquoi j'ai fait le Marseillais? Et je suis sûr elle va plus vite avec son petit truc là, son petit scooter la poste que moi. En plus elle c'est du électrique. La planète là, voilà. Il fait pas soleil mais l'après-midi devrait être ensoleillé. Et vous dites que Dalgo là, si elle fait les 30 km/h dans Paris, là tu seras en excès de vitesse là. Bah Paris ça serait une bonne route pour moi, écoute hein, si on doit rester que à 30, moi ça je sais faire hein. Oh, je suis en train de m'envoler. Comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui on va faire une expérience sociale car je suis un peu un youtubeur expérience sociale. Voilà, je teste des petites expériences et aujourd'hui l'expérience c'est d'aller tout. Hey, il m'a fait le camion. Hey, il m'a fait le camion. The B. Ok, il n'y a que des camions ici. Et je suis le petit ex à 50 au milieu, c'est moi, coucou. Oh, il a dit bonjour, hein. Il est gentil. Mettez le petit pouce bleu les mecs, aujourd'hui on va chercher McDo avec ma petite 50 cm3. On va voir si c'est possible, écoutez. On va voir au drive ce qu'ils disent. Ben normalement c'est un véhicule motorisé donc il devrait accepter. J'ai vu ce matin une meuf elle est allée chercher son McDo à cheval, pélo. Je te dis qu'elle est allée chercher son Domac à cheval. Alors bonjour. Bonjour. Ah là là, là je dois aller à gauche. Donc on va tenir ces distanciations. Alors c'est où ça? Oh attends, si, j'ai géré là, j'ai géré ou c'est moi? Oh j'ai à moitié géré là, une ma mère j'ai à moitié géré. Oh je suis fier de moi Zubby, j'ai réussi. Wouhou. Vas-y Auriel, t'as l'expérience là. Tu freines tout. Et tes vitesses, tu les descends jusqu'en bas. Zubby, dis-moi que j'ai réussi, ouais j'ai réussi. C'est bon, je suis un vrai motard en fait. Ah du coup je vais pouvoir m'arrêter à tous les stops à chaque fois. Zubby. Hop, on se fait un cross. On donne de les petits, combien, 800 pouces bleus. Qu'on se refait un motovlog. Qu'est-ce que j'ai fait là, avec le rond-point, Léo? Léo, le rond-point, tu l'aurais pas mal pris le rond-point. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, on est bientôt 5000. Bientôt 30 000 sur YouTube, du coup n'hésitez pas à vous abonner. Ah, ça monte, hein. Là les abonnés ça monte, les merci hein, pour toutes les stats, je vois que ça vous fait plaisir. Donc j'essaye de sortir des vidéos un peu plus régulièrement. Attendez, c'est une priorité à droite, c'est quoi là? Ah non. Ok, bon ça va, on dira qu'on s'en est bien sorti quand même. Je vais arrêter de faire le Marseillais, ça se voit que je suis pas du Nord, regarde le temps. C'est pour ça en fait les motovlogs, je peux pas en sortir à chaque fois beaucoup. Il fait pas trop beau, pas te mentir hein. Il fait pas super beau tout le temps dans le Nord. Ça m'énerve, eh les mecs aujourd'hui on passe les 11 000 km sur la moto. Aïe aïe aïe, on va les voir passer là. On s'améliore. Voilà. Nickel. Et il s'est mis au vert ce matin. Ok, en face il s'est mis au vert, nickel, c'est bon pour moi ça. Il s'est mis orange le fils de... Là c'est à qui la priorité? Là aux mecs qui sont en face. Je vais y aller, normalement ils vont me laisser la priorité. Le McDo n'est pas loin, mon McDo va arriver. J'aime pas rouler en ville. Oh là là, ne te mets pas dans mes roues, s'il te plaît. On va se faire une dégustation en fin de vidéo. Les mecs, le jour où sort cette vidéo, peut-être, je sais pas, faudra voir. Je vais peut-être vous tourner vite fait, vous mettre des plans en GoPro dans une prochaine vidéo où je teste un 70 stop perf. Parce que vous me l'avez demandé de tester une moto avec un kit. Vous avez vu là-bas, il y a un basic fit, les mecs, j'aimerais bien y aller, mais à ce qui paraît, je suis trop petit et genre, il faut être accompagné pour y aller avec quelqu'un. Oh, pourquoi tu klaxonnes? Oh, y a pas de queue. Oh, génial. Par contre, tous ceux devant moi, ils y vont. Eh, on s'est donné rendez-vous quoi? Mac Drive. Hop, nickel. Vas-y, on va se mettre là comme ça, nickel. Comment ça marche en moto, Zubby? Ah, y'a personne. Oh, ça va, j'aurai le temps de choisir la voiture qui va le plus vite. Ok, là, j'ai même réussi à mettre mon point mort tellement je suis fort. Putain, comment les gens regardent. Juste parce que t'as la GoPro. Pour ça, on met un petit pouce bleu. Tout. Bonjour, je vous écoute. Bonjour, je vais vous prendre un double cheese avec une grande frite, s'il vous plaît. C'est le menu, monsieur? Non, normal comme ça. D'accord. Autre chose? Bah avec de la sauce pomme frite, s'il vous plaît. Ça va. Autre chose? Non, merci, ça va aller. Donc, si
6,50€ le prochain fichier. Merci. Au revoir. Au revoir. Oh, comment je suis un professionnel. Putain, c'est où qu'on doit chalasse? C'est où qu'on chalasse? C'est où qu'on chalasse? Ok, ok. Donc ouais, je prends pas de boisson là, commencez pas. Sinon après, je vais en foutre partout dans mon sac. Je suis pas encore un professionnel. Après, il faut déjà rentrer. Oh, elle a cassé. Ah ouais, attends, faut régler. Attends, comment on fait pour régler? Ouais, non, tranquille. On réglera après. On règle pas, nous, on part comme ça, comme des vagabonds. Faut qu'on se fasse une bête de miniature là. Ça fera des millions de vues, les mecs, en 50. En vrai, moi, je vois pas ce genre de vidéos. Genre, quand j'avais passé mon BSR, quand je voulais une 50, je regardais toutes les vidéos. Et The Bee, les grosses vidéos avec des grosses musiques. T'entends rien, ça casse les couilles. Moi, tu vois, je me dis, je suis. Ah, je vais pas dire que je suis l'un des seuls, mais je trouve que je fais des bonnes vidéos en 50. Non, il y a pas de grosse musique qui te casse la tête. C'est rythmé, il y a des bonnes miniatures, des bonnes coupures. Alors, si c'est ça, bah vous mettez le petit pouce bleu et vous vous abonnez, non? En plus, on va pas se mentir, elle est jolie ma moto. Elle est jolie. Et elle va bientôt potentiellement changer. Potentiellement. Je vous en dis pas plus. Regardez, regardez ce tirage rapide. Putain, je vais payer. Je vais sortir à l'arsenal. Hop! Bonjour. Ouais, sans contact. Nickel, merci. Attends, j'ai pris quoi? Double tir. Ah ouais, y a pas de boisson, c'est pour ça. Bonjour. Merci bien. Merci. Alors, je referme. Allez, c'est parti. Je m'améliore de fou. Maintenant, je vais pouvoir pécho de la gonzelle et lui dire « Eh, bouge pas, bébé, je te ramène au McDo ce midi. » Regardez, regardez, regardez cette puissance dans la poignée du collègue. Ah, j'ai le petit McDo. Maintenant, je vais devoir le déguster comme il faut. On se retrouve à la dégustation. Mais avant, faut d'abord retrouver son chemin. Ah ouais, c'est toi avec ta Punto tout à l'heure, Charles, tu vas me dépasser. Ah, là, on est bien, là. Là, pas de voiture. Bip, bip, bip. On fait une symphonie. On va se calmer, ici il y a des engins de partout. Ils vont sortir et ils vont mettre un transpalette dans le cul. Je vais rien comprendre. Oui, le McDo, je vais bien manger ce midi. Oui. Êtes prêts? 2, 3, 4, 6. Je suis en combien là? The Bee, je sens plus mon embrayage. Mais je suis en quoi comme vitesse? Genre, je sens pas le claquement de ma vitesse. Oh, je crois que j'ai cassé un truc. Oh, The Bee, j'ai cassé un truc. Oh, je vais me faire démolir. Non! Attends, on va aller se poser quelque part. Je sens plus rien. J'ai cassé. Oh là là, qu'est-ce que j'ai cassé? Attends, j'ai cassé un truc là. Attends, regarde, j'embraye. Attends. Ok. Voilà, on va. Ouais, c'est. Voilà. Le clac de l'enclenchement des vitesses. Ok, c'est bon. Attends, on va vérifier quand même que j'ai rien cassé. Attends. J'ai rien cassé, hein. Je crois que c'est bon, hein. D'accord, j'ai rien cassé. Attends, parce que je sentais plus mon sélecteur. Il était tout mou. Et ça coule pas, y a pas de fuite. Mais par contre, là, ça m'inquiète un peu. Genre, je tendais pas de claquement. Vas-y, je suis un grand. Je suis un grand, je rentre comme ça. Eh, la vie de ma mère, je crois que j'ai cassé un truc. À passer par des routes plus tranquilles. Ok. Quand j'upgrade ma vitesse, c'est bon. Donc là, je suis en 3. Ok, admettons je ralentisse un peu, je veux claquer ma 2. Bah, The Bee, j'ai l'impression que je fais ça dans de la guimauve. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai corcassé moi? Sens interdit. Bah, tu veux que j'aille où? Non, on est d'accord, j'ai rien cassé les mecs. Si, là j'entends mon claque, genre tout à l'heure, j'embrayais, je rétrogradais dans de la guimauve. Genre vraiment, sur un mat là, genre je sentais pas le sélecteur. Je sais pas, on verra bien. C'est quoi là, on a le McDo, on a roulé tranquillement. Peut-être que j'étais en 6, ouais, je sais pas, je comprends. Là, franchement, sincèrement, je comprends pas. Si vous avez des suggestions dans les commentaires de ce qui s'est passé, normalement, j'ai rien cassé, hein. On va quand même faire gaffe, hein. J'ai quand même envie de rentrer jusqu'à chez moi et pas en la poussant. Non, mais on est d'accord, j'ai rien fait, hein. Qu'est-ce que vous suspicez là pour mon embrayage? J'espère que c'est pas une suspicion de coronavirus, hein. Bordel, c'est bon, rien n'est cassé, normalement, tout va bien.
Non, là c'est bon, je retends mes claques et tout. Mais c'est bizarre, c'est bizarre. Sur l'instant T, je me suis dit, eh voilà que mon sélecteur, il s'est disloqué de la boîte. Attendez, est-ce que ça fonctionne? Ouais, c'est bon, regardez l'état de ma chaussure. C'est bon, j'espère, il fonctionne l'embrayage, avec toutes mes pompes. Mais qu'est-ce que c'est bon d'avoir une 50 pour aller chercher ce genre de choses là, pour se réconforter. Ouh là là là. Oh ça, ça fait plaisir. Oh, profitez. Et les mecs, j'ai pris genre 30 minutes. Ouais, 30 minutes top chrono pour aller chercher un McDo. Sincèrement, j'aurais pu encore être plus vite, mais il s'est passé dinguerie là sur la route. Alors, ça se présente, j'ai pris une grande frite. Il y a plein de frites qui se sont baladées. Mon petit cheese. En tout cas, ça va, je lui ai dit de me mettre de la pomme frite. Elle l'a fait, ça c'est vraiment la meilleure sauce. Par contre, il n'y a pas dans tous les McDo. Gardez toutes mes frites. Oh, oh les mecs, on va se déguster ça. Ah, j'ai pas dit sans cornichon. Oh non. Oh, ils ont mis ces vieux cornichons. Qui est Team Cornichon là? Qui est Team Cornichon et qui est pas Team Cornichon? Eh, je vais vous mettre ça comme ça. Moi, je vais vous foutre la dalle. Faut acheter une 50 pour aller chercher des McDo. À moins que vous avez un McDo pas loin de chez vous et que vous pouvez y aller en vélo et tout. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Vous mettez quelques frites dans votre burger. Vous refermez tout ça. Vous tassez bien. Et là, bon appétit à tous. Pouce bleu. Cet arrière-goût de transpiration. J'ai sué pour aller te chercher. J'ai sué, j'en ai fait des kilomètres pour toi. Bon appétit. Vous prenez quoi vous au McDo les mecs? Dites-le moi en commentaire, j'ai envie de savoir. Est-ce que vous êtes plutôt le genre de personne comme moi? Petit hamburger, petite fruit, petite boisson. Ou les mecs qui sont là, double menu, McFlurry à la fin et tout, des McDo rat, je paye 40 balles le McDo. Moi là, 6 euros, c'est moins cher que la cantine de mon lycée. Mais j'avoue, c'est peut-être pas aussi bien nutritivement parlant. Et il n'y a pas tout, il n'y a pas de dessert, pas d'entrée, pas de boisson. Oh là là, quel plaisir. Ça fait 3 jours, il fait pas beau. Et là, il fait beau, petit McDo. J'aurais même pu le manger dehors, mais vous alliez pas m'entendre. Vous avez vu ce que je fais pour vous quand même? J'espère que je vous ai pas donné trop faim. Oh, ce coca là. Un coca, c'est un dégraissant pour gorge. Par contre, les frites, elles sont un peu froides. Ouais, j'aurais serré, elle m'aurait donné ça. Genre, elle aurait ouvert la vitre, elle m'aurait donné. Tenez, frites burger. Là, j'aurais dit, pas moi un petit sachet là quand même. J'ai même pas déjeuné ce matin. Premier repas de la journée, petit McDo. Oh, la vie de gros porc. Les frites, on les aime bien, elles sont même pas croustillantes. Elles sont même pas cuites, mais on les aime bien. Je suis sûr que personne ne pourra jamais reproduire un McDo à la maison. On doit tellement avoir de recettes secrètes et de produits chimiques. Attends, c'est quoi ça? C'est moi ça le ketchup là? Ou c'est eux, ils ont mis leurs gros doigts là? Ce genre de vidéo, moi j'aime bien. Oh là là, oh là là. Je sais pas roter les mecs, je sais pas roter. Oh Léo, t'es calé juste avec ça? Ben ouais les mecs, m'en faut peu pour être petite frite. Petit hamburger, je meurs. Et voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire et vous abonner à la chaîne. Sur ce, on se retrouve mercredi 18h30 pour une nouvelle vidéo. C'était Léo, bonne journée, bon après-midi, bonne nuit, bon appétit. Bref, viens dans la description. Ciao.